Notre avenir, c'est pendant que nous sommes jeunes que nous devons le construire, pas après. Et personne ne viendra le faire à notre place. Nafi, tu fais rider. Tu parles de quel avenir? Elle a 18 ans. Elle est belle, intelligente et surtout ambitieuse. Nafi a 18 frères et sœurs, mais la polygamie et la pauvreté de son père ne l'empêchent pas d'être particulièrement ambitieuse. Elle recherche le meilleur. Refusant la pauvreté de ses parents, Nafi tente de braver les pièges de la vie pour prendre son destin en main. À côté des jeunes de son âge qui ont choisi la cupidité, la facilité, la tricherie, Nafi s'accroche à ses études pour réussir. Partir de rien pour devenir quelqu'un un jour, c'est possible si on le veut. Ah tiens, en fait, tu ne devineras pas qui j'ai croisé. Qui? Hyacinthe. Ah bon? Oui, on a eu une discussion ensemble. Ça s'est bien passé? Oui. Il m'attendait dans les escaliers comme un orphelin. On a discuté comme deux grandes personnes et on a même partagé une bière ensemble. Voilà. Je crois que ce qui lui reste maintenant, c'est de récupérer le cœur de Rachel. Voilà. Ça, par contre, ce sera pas facile. Mais je pense qu'avec le temps, les choses vont s'arranger. Ça suffit maintenant. Et si on parlait de nous deux? Dis-moi comment tu m'aimes. Comment je t'aime? Si Dieu me prêtait toute l'éternité, je n'aurais pas assez de temps pour te dire comment je t'aime. Tu sais, chérie, tu es tellement adorable, tu es tellement parfaite que parfois je me demande si je te mérite. Tu n'exagères pas un peu? Non, pas du tout. Quand je te contemple, je vois en toi non seulement une belle et intelligente femme, mais je vois surtout autre chose. Et c'est ça qui est le plus important. À moi maintenant. Je crois que j'ai beaucoup de chance de t'avoir. Et puis tu es quand même réfléchi pour un garçon de ton âge. Ah. Mais par moments tu fais trop de bêtises. Mais je pense que je serai là quand même pour t'épauler. Et puis t'éviter de faire des conneries. C'est un amour. Mmh. Allez, viens. Akowe, oui. Vraiment, il faut que tu accélères. Oui, mais justement, non, moi parce je vais finir voilà, avec. Si son avec. Problème est réglé là. Eh, hey, Akowe, hein, je te fais confiance. Non, il n'y a pas de problème, moi je voulais conclure ça. Hein. Maintenant, est-ce que tu pourras prendre le billet avec ça, même si l'argent n'est pas complet? Oui, comme c'est une avance, je suis obligé d'envoyer ça à la Mecque. Ah, d'accord. À la Kaaba. Voilà, pour faire une réservation. Ça va à la Kaaba. Voilà, tu vas lui donner tout ça là. Ok, d'accord. Bon, Akowe. Il paraît que c'est les... 1,2 million là. 1,2 million là. Mon frère, voilà ça. Voilà. Voilà, donc c'est ce que je te disais. D'accord. Cet argent, comme ce n'est pas la totalité, j'envoie ça à la Mecque. D'accord. Kabbal. Mais il faut qu'on soit clair. Parce que s'il n'est pas arrivé à temps qu'il y a Pépin, bon, ça, la Mecque ne retourne plus. Ah bon, il y a combien? Hein? Tu as entendu? Entendu quoi? L'argent là s'en va. Ça va à la Mecque directement. Ah, Waringere. Bon. Nado, si c'est... Tu dis quoi? Bon, s'il y a eu un retard et qu'il y a un pépin, bon, ça, la Mecque ne retourne plus. Ah, d'accord. Voilà, il faut qu'on s'entende. Non, il n'y a pas de problème. Ok, donc, je l'attends.
Faut le lui dire, hein. Non, non, non. Ah, il va aller au village. Bon, d'accord. Merci beaucoup. Merci. Ah, voilà, je crois. Ton ami, là, il est très gentil. Ah, c'est Dieu même qui va les remercier. Tu vas quand au village? Crois. Je vais voir dans ces deux jours-là si je peux partir. Si tu me donnes un peu de transport. Crois. Ah, oui, gagné. D'accord. Je parie que c'est maintenant que vous arrivez depuis votre sortie de ce matin. Votre pari est gagné. Et qu'est-ce que ça veut dire? Non, rien. Mais, je dis, oh, votre copine, pourquoi elle ne dort pas ici? Mademoiselle, c'est à elle qu'il faut poser la question, ok? Parce que je ne comprends pas. C'est elle la maîtresse de M. Séraphin. Donc en permanence, elle doit être dans la maison. Mais... Hé, hé, avant de continuer, comment avez-vous su son nom? Hein? En fait, il est passé ce matin et comme il ne vous a pas trouvé... Il m'a laissé la commission en me disant son nom. C'est comme ça que vous avez su son nom? Et il ne vous a pas demandé le vôtre? Si, si. Il a même dit que j'avais un joli prénom. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il vous a dit d'autre? Non, rien. Il est parti et puis voilà, je suis rentrée chez moi. Mais je dis, votre copain... Ça suffit! N'importe quoi. C'est d'abord... C'est qui? Ah, bébé, on dit quoi? Aujourd'hui, là? Non, ce ne sera pas possible. Pardon, mon oncle m'a envoyé faire des courses. Eh, pardon, pardon. Hein? Après la mort de mon père, là, je ne sais pas si le monsieur est venu charger la route. Donc, voilà, je ne peux pas. Eh, je ne vais pas avoir des histoires avec lui. S'il te plaît. Bon, rappelle-moi, ok? Hein? Mais aujourd'hui, c'est bon, ce ne sera pas possible. Ok. Allez, bisous. Alors, va tomber. Amen. La fille. Ça va? Mmh, ça va ton frère. Aujourd'hui, tout le monde est sorti. Dieu merci que je suis là pour te demander les nouvelles. Il n'y a rien de grave. Ça va? Mmh. Tiens. Et quand on voit un Wallahi, tu nous as trop effrayés. Ah! Mais comme Dieu est grand, il sait que nous avons besoin de toi. Il nous a fait cette grâce-là. Remercions-le. Et puis, il n'y a pas que ça dans la vie. Moi, je te comprends, hein? T'es mon ami. Actuellement, tu traverses une passe difficile. Ça arrive à tout le monde. Mais le plus important, c'est que tu te ressaisisses. Voilà. Il faut que tu te ressaisisses. Il faut que tu te dises que... Il faut que tu arrêtes, en fait. Tu as une conscience. Et je sais que ta conscience, quelque part, te gronde. Et puis, je pense qu'il serait temps que... Les dimanches, tu m'accompagnes à la messe. Non, non, franchement... Les conseils qu'on y divulgue, là, c'est pour tout le monde. Mais moi, j'ai foi, je sais que ça va passer. C'est... J'ai dit, oh, vous deux, là, vous vous moquez de moi ou quoi? Attendez, vous pensez que je suis bête, quoi? J'ai tout compris. Hervé, c'est toi qui as dit à ton ami de venir planter ses fleurs dans mon jardin. Et puis tu me mentais. Tu disais qu'il était devenu fou. Regardez, moi je vais vous dire quelque chose. Moi là, je ne suis pas une fille facile. Et puis toi, Hervé, si tu as reçu à arroser mon jardin, c'est parce que je... Tu vois, non, tu me plaisais. Sinon, toi comme ça, là, toi là, moi je vais faire quoi avec toi? Mes 200, mes 1000 francs que je te donnais pour faire transport là, tu penses que ça allait rester gratuit? Vous ne parlez plus. Vous êtes bobo. Hein? Vous n'avez pas dit que vous êtes garçon. Parlez maintenant. Oh, tu sens rien là? Quoi ça? Une odeur bizarre. Rien.
C'est un pro beaucoup là-bas. Mais c'est sa fille là. Regardez-les. Vous n'avez rien vu. Ça là, c'est petit. Regardez-les là-bas. N'importe quoi. Ah, Navi. Tu sais que tu représentes un grand intérêt pour la famille. C'est sur toi qu'on compte. Tu dois rehausser le nom de la famille Touré. Voilà, ce qu'il te faut là, il te faut un mari. Digne, tu vois non? Et riche, capable de faire de ton mariage une grande fête. Imaïwa, comme ça j'imagine ce jour-là, ah non. Tous les grands griots de ce pays-là vont venir comme ça. Ils vont chanter, danser jusqu'au petit matin. Et puis ils vont chanter le nom de la famille Touré ce jour-là. Voilà. On va danser. Amène donc les invités qui vont venir là. Tu oublies Dominique jusqu'au petit matin. J'imagine déjà. Comme ça, les filles qui vont venir là. Ils auront même l'envie de se marier comme toi. Ce jour-là, j'ai dit que je vais enlever billets de banque là-dedans. Je vais enlever comme ça. Travailler. Ils vont jamais oublier ce mariage là-haut. Ah. Égaï, ça là, si je vais parler, ils vont dire. Égaï, tenez, arrêtez mon repos. Moi, je parle avec toi. Et puis, arrêtez ta vie. Ah là. Ça là. Quand tu parles là, on dit que. D'accord, c'est bon. Hé, la mettez en train de. Maman, tu habites en Aboula. Il dit quoi? N'a pas abandonné ses idées de mariage là. Nafi, il faut te calmer. Moi, je ne vais pas permettre qu'on te donne un mariage. On n'a qu'à aller doucement avec eux. Tu sais, c'est notre coutume. On ne peut pas aller contre. Mais moi seul, je sais ce que je fais. Je ne vais pas permettre qu'on te marie. Tant que tu n'as pas fini tes études pour prendre l'homme que toi-même tu veux, je ne vais pas accepter ça. Abou, où il est là, il a l'argent pour faire un mariage et puis il est venu s'asseoir ici là. Est-ce que tu es la seule fille détourée? Mais pas la seule. Il n'a qu'à marier les autres, lui mais il n'a pas fait d'enfant aussi. Il n'a qu'à marier ses filles. Pourquoi toi? Ils savent pourquoi ils sont venus. C'est pourquoi ils sont assis. Depuis le décès de ton père là, ils savent pourquoi ils sont là. Mais il ne faut pas parler. Ce sont tes hommes, il faut les respecter. C'est notre coutume, mais je sais ce que j'ai fait. Tu as compris? Hein? Mais attends. Tes cheveux là, il faut aller arranger un peu. Il faut aller chez. Oumou. Elle va te coiffer. Hein? On va couper. Elle va couper un peu. On va couper beaucoup. Donc il faut aller la voir. D'accord. Maman, il n'y a pas l'argent. Eh, la vie. Pardon, aujourd'hui, il faut te débrouiller pour partir parce que j'ai pas été au marché depuis 2 jours. Je me sens pas bien, ma fille. Non, je vais partir et puis après tu vas régler. Non, je lui ai demandé si elle peut couper un peu tes cheveux. D'accord. Y a pas de problème. D'accord. Hein? Mmh. Allez. À tout à l'heure. Mmh. On dit quoi? Hein? Je l'entendais. Bonsoir. Y'a quoi? Donc toi, tu passes dans mon hôtel sans chercher à me voir, quoi. Donc j'ai préféré tout laisser tomber, quoi. Ah bon? Comme tu n'as plus d'intérêt, tu laisses tomber, c'est ça? Bon. Tu sais quoi, Jean-Claude? Certes, je suis moins âgé que toi, mais je ne suis pas stupide. Tu m'as utilisé pour avoir Rachel. Tu lui as même donné le numéro de ma chambre. Pour finir, tu as perdu Rachel, j'ai perdu Hyacinthe. Mais il faut savoir que moi, je n'avais rien à perdre, c'était juste un passe-temps. Donc, sache que tu as beaucoup de choses à apprendre dans la vie. Donc, cherche à me voir si tu veux. Hein? Au revoir. Allô? C'est qui? Non, je ne reconnais pas la voix. Ah, Rama, qu'est-ce que tu me veux? Écoute, Rama. Allô? Allô? La salope, elle m'a raccroché au nez. C'était qui? Rama. Qu'est-ce que tu voulais? Savourer sa victoire. Quelle victoire, Rachel? Elle n'a rien gagné. Et en plus, elle a failli laisser sa peau. Il y a des gens dans la vie qui n'ont pas honte. Et elle en fait partie.
Elle a envie de se donner de la contenance, juste pour savoir qu'elle existe. Laisse tomber, oublie tout ça, hein. De toutes les façons, on ne paie rien pour attendre. Qu'elle s'arrange à ne pas croiser mon chemin. Tu ne regretteras d'être venue au monde, je te le jure. Oublie-la, ma chérie. Hervé n'est pas encore arrivé. Non. Mais dis-moi, pourquoi tu as changé de coiffure? Chérie, j'ai vécu tellement de choses que j'ai envie d'oublier. J'avais envie de tourner la page, tout simplement. Ça te va? C'est très joli. Merci. Wow, ça tombe bien. Faut dire aux Mauritaniens que il y a mes 35 fois qui sont restés là-bas hier, il n'a qu'à te donner ça. Il n'y a pas de problème. Hein? Oui. Voilà. Il est allé où celui-là? Je crois qu'il allait chercher de la brosse. Alors? Je sais plus quoi faire. Non, Yassine va revenir. Il est un peu égaré en ce moment. Bien sûr. Il a besoin de se retrouver, je te promets. Faut dire que c'est la fille qu'il a attirée dans ses filets. Il n'était pas obligé de succomber à la tentation. Mais c'est un homme. Ça, tu n'y peux rien. Ne le défends pas, la fille. Je le défends pas. Je veux que tu sois plus forte. C'est lui qui a gaffé, donc il va revenir. Tu n'as rien à te reprocher. Je ne sais pas si je pourrais accepter ça. De toute façon, tu es encore en colère, ça va passer. C'est quoi ça? Enlève ton pied là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Depuis que t'attends, tu ne viens pas. Faut t'asseoir, il y a un ouais pour toi. Ah. Yeah, ça c'est un bon radar. Hein. Voilà. Ton marabout là, il est fort. Tu sais, la fois dernière là, j'ai suivi les filles là comme ça, doucement. Elles sont arrivées devant la porte du marabout. Et mon cœur était mort. Mais c'est la fin du film qui fait pitié. Elles ne sont pas rentrées. Attends. Tu veux dire qu'elles se sont retournées? Ouais. J'ai eu l'impression qu'il y avait un mur invisible, quoi. Mais ça, je t'ai dit. Le gars a fait le barrage invisible. Le Nasidji en action. Non, mais je ne le croyais pas. Hein. Mais je t'ai dit, le mort, il est puissant. Tu comprends pas quoi? Vraiment, il n'avait même pas confiance au vieux même. J'ai dit, le moron, il est puissant. Il est trop puissant. Voilà les filles. Vous êtes servies. J'espère que... Big manager. Yeah, je ne vous ai pas fait trop attendre. Elle chante. Excusez-moi. Oublie cette fille. Ok. Ah, tu avais laissé ton téléphone là. Mmh. Heureusement qu'il n'a pas sonné. Hein. J'aurais bien décroché. Pour dire quoi? Bah, dire à la fille de la cabine par exemple que... Tu aurais bien pensé d'être ça. Laisse pas faire des... Tu exagères, Nafi. Qu'on est à la piscine, voilà. Vous avez découpé ma chair. Vous avez bien critiqué ça. T'as pas besoin que tu sois absent pour te critiquer. Toi, ça c'est vrai. Non, maintenant, il va falloir tourner la page et passer aux choses sérieuses. Ouais, moi-même j'ai pensé à ça tout à l'heure là même. Depuis hier nuit même, j'ai pensé à ça. Mais c'est la petite qui peut faire notre affaire. Quelle petite? Sonia. Ah. T'as dit que son papa est sévère, non? Faut laisser ça là. Son papa, il est Django ou bien? Même enfant des ministres, nous, là, on couche ça. Ouais. Ou bien? Ouais. Ça, c'est un petit problème. Mais là, t'as fait comment? J'ai dit, tu sais ce que je vais faire? Je vais arriver chez la petite. Je vais me faire passer pour un gars qui demande des renseignements. Et lorsque la petite va me voir, quand il va sortir, va monsieur. Et ça, là, il n'y a pas là dedans. Mais là, il y a un vigile, hein, il ne va pas te laisser entrer. Oh, vigile, là, lui, son médicament, moi, je connais. Ça, c'est un petit problème. Lui, là, il a causé à lui, puis il va me laisser rentrer. Mais pourquoi tu n'as jamais retenu son numéro? Ça, ça va nous faciliter la tâche. Hiro, tu me prouves quoi ou bien tu veux quoi? Depuis quand portable a duré un nous? Ah, hein? C'est vrai. Portable ne peut même pas faire 3 jours à nous. Quand on a portable, lorsqu'on a un petit ouet, là, on est obligé de linguer le portable pour régler ce petit ouet là. Ouais, hein? C'est vrai. Ce qui est sur la petite là, moi je vais mettre bras sur la petite demain et puis on va voir ce qu'on peut faire. Mais là, actuellement là, on fait quoi? On va où? On va là où le vent peut nous emporter. Allez, groue tes fesses là. Ça, c'est la même chose.
suis content pour vous, pour votre examen, votre ascension. Ça me fait penser à mon histoire à moi. Laquelle? Vous ne pouvez pas comprendre comment ça a été difficile. Vous savez, la veille de l'examen du bac, mon père est décédé. Quoi? Ouais. Mais les gens de la cour m'ont caché ça et ils n'ont pas voulu me dire. Parce que l'examen était sur 3 jours. Donc le premier jour, je vais. Tout s'est passé tant bien que mal. Et je rentre le soir. Je revois encore le visage de ma grand-mère. C'est elle qui m'a annoncé la nouvelle. Enfin, c'était difficile. Il fallait continuer. Le lendemain, je suis reparti. Mais il y a quelque chose en moi qui... En fait, je n'avais plus la même sensation. Je ne ressentais plus les mêmes choses. C'était pas... Tu avais l'impression qu'on te cachait quelque chose? Non, c'est pas ça. Je composais maintenant pour mon papa, voilà. C'était pas pour moi. C'est comme si je voyais l'examinateur, c'est comme si c'était lui qui était là et qui me disait « Tu dois décrocher cet examen. » Je lui devais ça, voilà.